le début et la fin de tout péché. Tu seras l'année de Dieu qui est vu de ma loi. L'année de Dieu qui est vu de ma loi. L'année de Dieu qui est vu. Béni du ciel sur la terre, me réconciliant avec le Père, en pâtissant de plein de grâce, afin que je vive devant sa face. Béni du ciel et sur la terre, me réconciliant avec le Père, en pâtissant et plein de grâce, afin que je vive devant sa face. Ah, ah, ah. Par ta mort, moi j'ai la vie. Par ta vie, moi j'ai la grâce. Car ton sang m'a racheté de la mort et du péché. Par ta mort, moi j'ai la vie. Par ta vie, moi j'ai la grâce. Car ton sang m'a racheté de la mort et du péché. Oh, oh, oh. Ta grâce dans ma vie surabonde, lorsque moi ton amour déborde, qui m'introduise dans ta plénitude, quand moi paraît ton attitude. Ta grâce dans ma vie surabonde, lorsque moi ton amour déborde, qui m'introduise dans ta plénitude, quand moi paraît ton attitude. Oh, oh, oh. Tu étais avant le monde, tu as vécu dans ces mondes, tu seras après les mondes, ton règne est éternel. Tu étais avant le monde, tu as vécu dans ces mondes, tu seras après les mondes, ton règne est éternel. Alléluia, 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 ton règne est éternel. Alléluia, 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 ton règne est éternel. Oh, ton règne est éternel, ton règne est éternel. Et éternel. Alléluia. L'honneur, la gloire à toi, notre majesté. Toi qui règne génération à génération. Ton règne à point de fin. Here we go. We are.
Shalom, 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 que la grâce du Seigneur soit entre notre partage et notre temps. Que la même grâce à Dieu pour cette nouvelle semaine qui nous accorde, de nous faire son Seigneur, de sa faveur. Que nous disons merci au Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée. Ce matin encore, nous voulons venir devant lui. Nous voulons présenter au Seigneur cette semaine. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, j'espère que tu vas passer une excellente semaine et que le Saint-Esprit de Dieu, le Dieu de faveur, le Dieu de grâce, a été encore avec vous comme étant celui-là qui accomplit sa parole. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, alléluia, shalom à la mère Philippa Mabonzo, à la mère Joséphine. Soyez bénis ce matin, soyez toutes bénies, tous ceux qui sont connectés sur le Facebook, ceux qui sont connectés sur le deuxième TV. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, avant que de prendre nos points de prière, nous voulons parler de la puissance de la volonté de Dieu. La puissance de la volonté de Dieu. Alléluia. La puissance de la volonté de Dieu. Et notre semaine sera beaucoup plus focalisée sur la volonté de Dieu. Nous avons besoin que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Pourquoi? Parce que dans la volonté de Dieu, il y a une puissance. Et la volonté de Dieu est ce que chaque être humain doit pouvoir rechercher. Quelles que soient tes fonctions, quel que soit ce que tu fais dans la vie, tu as besoin de rechercher la volonté de Dieu. Parce que dans la volonté de Dieu se trouve en réalité ta destinée. Alléluia. Nous allons aller dans le livre de Ésaïe, le chapitre 55, le livre d'Ésaïe, le chapitre 55. Gloire à Dieu, si tu es là déjà, tu peux déjà me dire Amen pour que je puisse savoir qu'il y a quelqu'un qui est là. Ésaïe 55, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, dans le livre d'Ésaïe 55, la parole de Dieu nous parle et Dieu nous dit ceci. Alléluia. Si tous, pardon, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent. Sans rien. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et vos âmes se délectera. Et votre âme se délectera de mes séculents. Verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras les nations que tu ne connais pas et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Alléluia. Verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées.
Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Alléluia. J'aime cette parole. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons dans ce passage que nous venons de lire dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 55, la puissance de la volonté de Dieu. La puissance de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est une puissance. La volonté de Dieu a une puissance. La volonté de Dieu est une puissance. Lorsque quelqu'un se connecte à la volonté de Dieu, il rentre dans sa destinée. La volonté de Dieu, c'est ce qui te lie à ta destinée. En fait, si tu veux connaître ta destinée divine, tu dois pouvoir connaître la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin qui peut me dire Amen? Si tu connais la volonté de Dieu ou si tu te connectes à la volonté de Dieu, tu vas vivre la destinée divine, ta destinée divine, ce que l'Éternel a planifié et a préparé pour toi. Il n'y a pas de différence entre la volonté de Dieu et la destinée d'une personne, la destinée de Dieu pour une personne. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, dans les pires moments du ministère de Jésus, l'une des choses qu'il a eu à faire alors qu'il se retrouvait dans l'impasse, c'était de demander la volonté de Dieu. Jésus s'était retrouvé dans une situation où il a dit au Seigneur, Père, en ce moment-là, que ta volonté se fasse, non pas la mienne. Parce qu'effectivement, dans sa volonté, il avait d'autres ambitions. C'est comme toi, et ce matin, la semaine ne fait que commencer. Tu as déjà des ambitions, tu as des choses. Tu as des programmes, tu as des choses que tu as déjà établies que tu dois devoir faire pendant cette semaine et durant cette semaine. Tu t'es certainement résolu sur certaines choses que tu dois réaliser, peut-être en famille ou bien encore peut-être pour des personnes qui te sont chères. Alléluia. Ça, ce sont tes projets. Ça, c'est le plan que tu as. On peut dire que c'est ta volonté, c'est-à-dire que tu as une volonté personnel, tu as une volonté individuelle, tu as aussi une volonté collective envers les gens. Voilà. Et vous savez, la volonté de Dieu, il faut tout faire pour la connaître. Il faut tout faire pour connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Qu'est-ce que Dieu pense par rapport à cette situation? Parce que si tu ne connais pas la volonté de Dieu concernant ta vie, tu vas te retrouver en train de faire des choses terribles. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu concernant ta vie, tu vas te retrouver en train de faire des choses terribles. Comme disent les Ivoiriens, le dehors est risqué. En fait, c'est seulement la volonté de Dieu que tu connais qui va te permettre de pouvoir demeurer au bon endroit, au bon moment en faisant la bonne chose. La volonté de Dieu est totalement différente et sera toujours différente de la volonté des hommes. Je reprends, la volonté de Dieu est totalement différente et sera toujours différente de la volonté des hommes. Par contre, les hommes peuvent s'adapter à la volonté de Dieu ou encore les hommes peuvent se connecté à la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas venus sur terre par notre propre volonté. Nous sommes le plan de Dieu. Nous sommes parce qu'il est. En réalité, nous existons parce que lui, il existe et parce que lui, il a autorisé notre existence. Et à cause de cela, c'est ce que Jésus avait compris. Parce que quand tu vas lire le livre de Matthieu,
au chapitre 26, tu vas comprendre quelque chose de terrible. Tu vas comprendre que même Jésus, dans la chair, était perturbé par sa propre volonté. Et la plupart du temps, la volonté de l'homme, lorsque cet homme n'est pas totalement converti, est centrée sur le soi, sur lui. C'est centré sur lui. C'est comme la volonté de Dieu est centrée sur le plan de Dieu qui concerne Dieu lui-même, concernant nos vies. De la même manière, lorsque quelqu'un n'est pas vraiment mature, ou bien quelqu'un peut être converti et puis n'est pas mature, donc il n'est pas différent de quelqu'un qui n'est pas converti. Mais lorsque quelqu'un n'est pas mature ou encore n'est pas converti, il a ses pensées charnelles ou encore les actions qu'il pose sont des actions centrées sur ce que lui, il doit expérimenter et sur ce qu'il doit vivre, ce que lui doit produire pour lui-même. Vous voyez? Et Jésus était arrivé à la fin de son ministère terrestre lorsqu'il a visité le monde, il a visité la terre dans un corps humain. Il est arrivé devant cette situation où il était devant un dilemme. Il ne voulait pas passer par la voie qui avait été tracée. Et il va prier. Il va dire à Dieu, Seigneur, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Si c'est possible que cette... La Bible dit qu'il a prié pendant 3 heures. Il a prié la première fois. Il est parti. Il a fait la prière. Seigneur, est-ce que c'est possible? Seigneur, éloigne cette coupe de moi. Non pas que ce soit ma volonté, mais la tienne. Ça dit que dans la volonté du Seigneur, dans la volonté humaine, le côté humain de Jésus, sa volonté était qu'on éloigne la coupe. En d'autres termes, qu'on change le procédé ou encore ce qui a été établi. Il est allé intercéder. Et c'est comme ça, il y a beaucoup d'entre nous, nous intercédons. Nous prions, nous intercédons. Il y a des situations que le Seigneur autorise dans nos vies pour nous éprouver. C'est-à-dire que pour nous éprouver même. Et hier encore, j'ai compris ça. Et il y a des situations dans lesquelles le Seigneur va te mettre, pas pour te ridiculiser, mais pour t'éprouver. Pour t'éprouver ou encore pour t'améliorer. Et cette amélioration passe par l'épreuve qu'il te fait vivre. Et c'est ça, en fait, lorsque tu veux bien connaître la volonté de Dieu, il faut accepter ce que le Seigneur, le chemin par lequel le Seigneur veut te faire passer. Il va dire dans Isaïe, que nous avons lu tout à l'heure, il va dire, autant les cieux sont élevés, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées, et mes voix sont au-dessus de vos voix. Ça veut dire que nous n'avons pas la même pensée, nous n'avons pas la même réflexion. Moi, je ne pense pas comme vous. Ma pensée est différente de la vôtre. Et il est en train de nous lancer un message ici. Si vous voulez être comme moi, vous devez pouvoir chercher ma pensée et connaître comment moi je fonctionne. Et c'est ça que Jésus avait compris. Parce que Jésus, quand il s'est retrouvé devant cette situation, il va comprendre que non. C'est vrai qu'il y a beaucoup de miracles qui ont été produits dans son ministère. Parce que là, il était devant sa destinée. Vous voyez, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Les guérisons, les miracles, les délivrances. Beaucoup de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez avoir bâti des grands temples, avoir bâti des orphelinats, aider la veuve et l'orphelin. Faire beaucoup de choses, tout ça, c'est bien. Mais il y a des situations où maintenant... C'est-à-dire que votre destinée par rapport à la fin des choses est totalement éprouvée. Et là, Jésus était à la fin de son ministère. Il a fait des miracles, il a ressuscité les morts, il a guéri les malades, purifié les lépreux, ouvert les yeux des aveugles. Il a donné des conseils aux personnalités, il a parlé aux hommes sur plusieurs choses. Et à la fin, il va se retrouver devant cette situation où il doit pouvoir
prendre une décision et il va comprendre que au-delà de tout ce qu'il a fait dans le ministère, au-delà de tout ce qu'il a vécu durant toute sa vie, il avait besoin de pouvoir mettre sa volonté de côté et accepter la volonté de Dieu. C'est quelque chose de très fort, la puissance de la volonté de Dieu. La puissance de la volonté de Dieu l'a souverainement élevé. La Bible dit dans le livre des Philippiens, au chapitre 2, que à cause de cela, Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est arrivé à cause de ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémani. Parce que Jésus a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Tout ce que Jésus a fait au départ, sachez-le que tout ce que Jésus a fait jusqu'au jour où il est arrivé pour prier dans le jardin de Gethsémani et parler à Dieu, et dire à Dieu que Seigneur, que ta volonté soit faite. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que Jésus avait fait, c'était bien, mais ça n'avait pas assez de... Ça ne donnait pas une orientation à sa destinée finale. Parce que ce qui a donné l'orientation à sa destinée finale, c'était cette rencontre, cette prière que Jésus a faite. Tu vois, nous sommes en train de commencer une semaine. Tu ne connais pas ce qui a été préparé pour toi, que ce soit en bien, que ce soit en mal. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu a dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour toi et pour moi. Et qu'il a dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si toi tu cherches la volonté de Dieu et que tu demandes à Dieu, Seigneur, non pas ma volonté, moi j'ai des ambitions, j'ai des choses que j'ai prévu faire cette semaine, j'ai mon plan, j'ai des choses que j'ai décidé de faire. Par exemple, le samedi passé, je devais me rendre quelque part et je me suis rendu compte que j'avais un de mes documents qui avait des problèmes. Vous voyez? Mais c'est-à-dire que quand je suis arrivé, j'ai dit, oh Seigneur, mais ça c'est grave, je ne me suis même pas rendu compte que ce document-là n'est plus à jour. Ce document-là a expiré. Il me faut un autre document urgemment. Et là, le temps de pouvoir aller sur le net et faire ce que je devais faire, le temps était déjà passé. Vous voyez? C'est-à-dire que connaître la volonté de Dieu va t'empêcher de vivre certaines choses qui sont des choses compliquées. Connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Et ce matin, moi, je suis venu t'inviter à ce point de prière, que réellement nous puissions prier, que la volonté de Dieu se fasse dans nos vies, dans nos familles, que la volonté de Dieu se fasse. Alléluia. Que la volonté de Dieu se fasse, la volonté de Dieu. Pas la volonté des normes, mais la volonté de Dieu. Dans tout ce que nous avons comme projet, dans tout ce que nous voulons réaliser, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Alléluia. La semaine est longue, nous ne savons pas comment elle va finir. Mais nous savons une chose, que sa volonté est là pour pouvoir nous aider à pouvoir vivre son plan, à vivre ce qu'il a préparé, ce qu'il a prédestiné, ce qu'il a arrêté dans son agenda concernant nos vies. Alléluia. Et ce matin, c'est le point de prière que nous allons prendre. Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, que ta volonté se fasse dans nos vies, non pas la volonté des hommes, mais la tienne, comme elle a été préparée, prédestinée. Seigneur, viens accomplir ta volonté dans nos vies. Viens accomplir ta volonté dans nos familles, dans la vie de nos enfants. Viens accomplir ta volonté dans nos affaires. Viens accomplir ta volonté dans nos relations. Durant toute cette semaine, viens accomplir ta volonté. Ce matin, nous voulons seulement parler à Dieu par rapport à sa volonté. Nous voulons marcher dans la volonté de Dieu. Nous voulons forcer la semaine à se soumettre à la volonté de Dieu dans chaque domaine de nos vies. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu puissant, celui qui ne ment pas, celui qui est fidèle. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur.
Merci pour ta volonté. Ce matin, nous venons élever nos voix pour demander ta volonté. Nous ne venons pas te demander des choses liées à nos ambitions personnelles, mais nous venons prier pour que ta volonté s'efface dans nos vies, comme toi-même, Seigneur, tu l'as éternel établi. Laisse que ta volonté s'accomplisse. Nous avons besoin de ta volonté. Nous avons besoin de vivre ton plan, Seigneur. Oh, Sata Kabrosi te Bresandolo Sita Kaya Bazuondelebe. Élève ta voix ce matin avec moi. Demande la volonté de Dieu. Sheka Barado Sute Kabrando Sumanda la Bataya Bazakatoro Bushanda Laba. Demande la volonté de Dieu. Demande la volonté de Dieu. Zibrando si prende le breketa razundelebe katozutaya. De Zundelebe Kantara Bushandelebe Kabariando Lobosundelebe Katara Bushandaraba. Demande la volonté de Dieu ce matin. Dibro sataka zandolobo sekere brekete shakala baba. Ta volonté dans ma vie, ta volonté dans ma famille, ta volonté dans la vie de mes enfants. Zotoko sakaya masundele bekata. Ta volonté dans la vie de mes enfants spirituels. Ce matin, élève la voix et demande la volonté de Dieu. Bien-aimé. Zebro soke pranda sundele bekato lobo shandere bekato lobo shandere be. Ta volonté, Seigneur, c'est cela que je veux. Ta volonté, Seigneur, c'est cela que je cherche ce matin. Massa tarabo sekere bekando lobo zika la baba 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 baba. Oh, son delebre, kendelebre, kendelebre, kendelebre. Lodo zatakaya masundere bekatara doro shedere bregedere bregede. Élève la voix ce matin. Mando si prandelebe. Masata la baba ba sheka la bala bozande lebe lebe. Seigneur ta volonté, Seigneur ta volonté, Seigneur ta volonté. Alors que cette semaine commence, nous voulons la commencer, Seigneur, et la finir dans ta volonté, non pas dans la nôtre. Nous avons des ambitions personnelles, nous avons des projets, nous avons des objectifs à atteindre de manière individuelle, de manière collective, de manière associative. Mais Seigneur, ces choses ne sont pas plus importantes que ta volonté. Tu nous as dit dans ta parole, dans le livre de Proverbes, chapitre 16, tu as dit que les projets que forment le cœur d'un homme ne dépendent que de lui, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. C'est pourquoi ce matin, nous venons devant toi, Seigneur, à l'aurore, pour demander que ta volonté se fasse dans nos vies, non pas de la manière dont nous avons préparer les choses, dont nous voulons voir les choses, mais la manière dont toi tu les as prévues. Oui, Seigneur, ta volonté, c'est ce que nous recherchons ce matin. Ma santa rabosi karababa, le brosete que prando lobozine de lebe. Élève ta voix ce matin, bien-aimé, parle à Dieu. Le kasata kosi kerebechando lobo, mozi brande lebe kantaria bande lebe. Demande la volonté de Dieu dans tout ce qui a été planifié. Même les choses que tu as planifiées toi-même, même les choses que tu as arrêtées toi-même, demande la volonté de Dieu, Satakaba, que sa volonté se fasse cette semaine, non pas ce que toi tu as planifié, mais ce que l'Éternel, le Dieu souverain, celui qui ne ment pas, le Dieu fidèle, oh Sakare Brekoto Shandala Baba, Ebrando Lobo Sekere Brekatuzia, Mazuandele Bekantele Brekede Zindala Santo Robo, O Sakara Baba Baba Shende le bébé. Ce matin, papa, Mandere Kera disa tousta. Et le brosoto kosekere gede prekitara mama. Oh, Shandalota, Shandalota, Shandalota. Ma zayante le bébé, le bébé. Ma kolozi, kalabre, kelidalo dozia. Rade si prando lobo sekere breketandalade. Ce matin, Seigneur, que ta volonté soit faite. My father, que ta volonté se fasse, que ta volonté se fasse, ta volonté à toi, non pas la volonté d'un homme, non pas la volonté d'une femme, mais ta volonté, Seigneur, mozi onde sente, mo soto robo sente, e bando robo sikara baba baba. O shandala bazwandele be katoro bo sindele bebe. Li darandolo bo santara ba berikatere be shanda. Abarando sokore preketara de. Baratiskada, baratiskada. Ta volonté, Seigneur. Oh, mon Père,
Manturi briandere kebe, ezuandere bekatiri briandere bekebe, kababa baba baba, o santo lo bonde, ebriando lo sikala brendere be, ostala dele kedaida, mazando lo bosente. Alléluia, rababa baba 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 baba, ta volonté, Seigneur, ozende ke sakato lo bosinta la baba baba, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes enfants spirituels, dans la vie de mes partenaires. Je demande ta volonté ce matin. Ô Seigneur, ô kosante mitalado satalababa shekele bregede zindorobo, que ta volonté soit faite dans la vie de mes ennemis, que ta volonté soit faite, éternel Dieu de gloire, monsunta kabande lepresatorobo sukerebe rabababa, dans la vie de mes ennemis, accomplis ta volonté. Dans la vie de mes enfants, accomplis ta volonté. Dans mon ministère, accomplis ta volonté. Dans la vie de mes enfants spirituels, accomplis ta volonté. Éternel mon Dieu, je prie ce matin, accomplis ta volonté, Seigneur, par rapport à ma nation, par rapport, éternel Dieu de gloire, aux nations de la terre. Seigneur, cette semaine, je demande que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Viens, éternel, que ta volonté force, éternel, le chemin qui a été prédestiné. Ta volonté à toi, non pas la mienne. Seigneur, mon sakabo satarabashanda, oui, j'ai des projets, j'ai des ambitions personnelles, j'ai des objectifs à atteindre, mais Seigneur, ta volonté reste éternelle, Dieu, l'épile dorsale, le bouclier, oui, les talons d'Achille. Seigneur, ma satakasuke pragado soprota baradea, motoko planda kiblando lobosindelebe, accomplis ta volonté dans ma vie ministérielle. Seigneur, accomplis ta volonté. Ô Saint-Esprit de Dieu, oui, papa, Shatakada Zanda, par rapport à la santé, oui, la santé de mes enfants, la santé de mon épouse, la santé de mes enfants spirituels, la santé de mes partenaires, la santé de mes pères. Ô Seigneur, laisse que ta volonté se fasse cette semaine, alors que tu nous as introduits dans cette semaine. Oui, tu as des projets de paix et non de malheur pour nous. C'est ce que toi tu dis. Tu as dit dans ta parole que tu ne nous délaisseras point, tu ne nous abandonneras point, tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, que tous ceux qui se confient en toi ne seront point confondus. Oui, Père, tu as dit même que dans les situations des attaques, 1000 tomberont à notre gauche, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. À cause de ton nom que tu as éternel mis sur nos vies, éternel, nous serons éternel la tête et jamais la queue. Laisse que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, celle que tu as prédestinée avant la fondation du monde. Voici la semaine qui commence. Ô Dieu, c'est toi-même qui nous as dit dans ta parole que pendant que les hommes dorment, l'ennemi vient planter les mauvaises semences. Seigneur, tu connais tout ce que notre ennemi a planté durant toute cette semaine pour pouvoir les manifester afin que sa volonté à lui s'accomplisse concernant nos vies. Et tu nous as dévoilé sa volonté. Car tu nous as dit que l'ennemi vient pour voler, il vient pour tuer et il vient pour égorger. Mais toi, Seigneur, tu viens pour nous donner la vie et nous la donner en abondance. C'est la raison pour laquelle ce matin, ô Dieu, nous demandons que ta volonté s'accomplisse concernant nos vies. Celle-là que tu as arrêtée, celle-là que tu as éternelle planifiée, celle-là que tu as éternelle prédestinée. Kosataka, Mozunda, Masanto, Roboshanda, Labaya. Le blege de sunte Christolobo, Goranda Masanta Kilada Gadozo Prestende, Ebandala Tolo Sukalaya. Oh, chale brege d'alida lo sutele bregede, Lozo colebre se celebre zundele breke se celebregede, Mata la baba baba, Le bloziande le berebe, Candolo boziande le berebe. Ta volonté, Seigneur, Mazende le brekete, Chablando lo bozi brande le bekete. Ta volonté, Seigneur, ta volonté, Seigneur. Monta la baba 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 baba. Le blosiande le bébé. Le cosinda la bazando lo bosinde le bébé. Oh, élève la voix et prie pour la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ce matin. La volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. La volonté de Dieu te fera vivre la bénédiction du Seigneur. Il y a des moments où tu pries, Seigneur, bénis-moi. Mais en réalité, tu as besoin de dire à Dieu, Seigneur, accomplis ta volonté dans ma vie. Parce que lorsque la volonté de Dieu est activée dans ta vie, la bénédiction va suivre. Alléluia. Kosanta ramazenda, leprosata kazanda labosataya. Prie pour la volonté de Dieu ce matin.
Ne regarde pas, quel que soit le sujet important que tu as, le sujet n'est pas plus important que la volonté de Dieu. Car la Bible est claire, les projets que forme le cœur d'un homme ne dépendent que de lui. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Ça veut dire que bien-aimé dans le Seigneur, c'est la réponse que la bouche de Dieu va donner, c'est ça qui est plus important. Et tu as besoin de demander à Dieu ce matin que sa volonté s'accomplisse dans ta vie. Parce qu'il nous a dit, il nous a fait la promesse. Il a dit, c'est des projets de paix et non de malheur que j'ai pour toi. Oh oui, Seigneur. Tu as dit que tu as des projets de paix et non de malheur. Tu as dit que tu as des projets de paix et non de malheur. Viens accomplir ta volonté dans nos vies, papa. Maka santo rebrekata rachinda laba. Lobozanda kasate kezaka prosien delebe. Mandelebelebelebe. Zondo lobo sante rebregederebe zando lobo shinderebe. Liblo zandelebregederebe shinderebe. Kotarababa zindelebe katarabo shanderebelebe kaba. Lobobo zinderebe keberebe kebe 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 La parole de Dieu nous dit que l'Éternel a fait tout. Il a tout fait pour un but. Il a fait tout pour un but, tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Cela veut dire qu'il y a une volonté même de Dieu par rapport au méchant. C'est la raison pour laquelle tu as besoin seulement de prier pour la volonté de Dieu, même pour tes ennemis. Seigneur, accomplis ta volonté dans la vie de mes ennemis cette semaine. Accomplis ta volonté dans la vie de mes ennemis. Accomplis ta volonté dans la vie de mes ennemis. Okosa kabababa. Ce matin, nous prions de manière stratégique. Masunte predado sokorabaya. Lebrese kebrekosi pramando lobo. Mozoto kosakaya baba. Zondo robo senterebe kando robo shenderebe. Oui, l'ennemi a planifié des choses. La parole de Dieu nous parle clairement que le clou planté dans un lieu, le clou qui a été enfoncé dans un lieu sûr sera ôté. Oui, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, Masataka, Zwanda la Baba, Lobobo, Sente Briondo, Sente Kerebebe. Il a dit que je souhaite que tu sois en bonne santé. Il a dit, je souhaite que tu prospères. Il a dit, je souhaite que tu sois en bonne santé. Je souhaite que tu prospères. Que tu prospères. Que tu prospères. Cela veut dire que la volonté de Dieu est que tu prospères. La volonté de Dieu est que tu prospères. Lorsqu'on parle de la prospérité, on ne parle pas seulement de ce qui est argent et matériel. La prospérité, c'est aussi la capacité de pouvoir être en bonne santé toujours. C'est une prospérité. Tu prospères parce que le Seigneur t'a donné la santé. Tu prospères parce que le Seigneur t'a donné la paix. Tu as la paix du cœur. Oh, bien-aimé, notre Dieu est vivant. Ma santo socora, ma sande le bébé. Le bobo, soto kozia branda, sunte kaya baba, mokotaya. Odoro si ande le bébé, zikoto koshaka bali ande le bébé. Élève ta voix ce matin et parle à Dieu. Que ta voix se fasse entendre à l'aurore, alors que le soleil est en train de quitter sa tanière. Ce matin, fais entendre et retentir le son de ta voix. Je vais te dire que le Seigneur t'entend. Ma santa kataya. Les anges de Dieu sont actifs. Alors qu'ils entendent et qu'ils écoutent cette prière, qu'ils amènent vers le Père, en demandant la volonté de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur, c'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a établis. C'est par sa volonté que nous existons. C'est par sa volonté que nous sommes. Nous sommes l'argile et lui, il est le potier. C'est lui qui décide la forme que nous devons avoir. Et je bénis son nom parce qu'il a dit qu'il a des projets de paix et non de malheur. Mon ami, celui qui a des projets de malheur pour toi, c'est le diable. Il y a des situations qui vont arriver dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, elles peuvent sembler être des situations bizarres. Elles peuvent sembler être des situations de totale confusion, mais c'est des situations de préparation à la grandeur. C'est des situations de préparation à vivre le plan parfait de Dieu. Dieu est fidèle. Tout ce qu'il fait, il ne peut pas se tromper. Il n'est jamais en retard et il ne vient jamais après ou avant son temps.
La Bible dit que Dieu fait toutes choses belles. Alléluia. En son temps. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de sa volonté. Oh, Mosotolobo, Shablandelebe, Barata, 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 Mintu Kibalando, Swandelebe. Le seul qui écrit droit sur des lignes courbes. Mokotoko, Shabaladelebre, Kamandolo, Swandelebe, Kaba. Demande la volonté de Dieu par rapport à ton travail concernant cette journée. Concernant cette journée, cette semaine, que la volonté de Dieu se fasse dans ton lieu de travail par rapport aux différentes tâches qui te seront données, par rapport à ce que toi tu dois faire, par rapport à tes collègues, par rapport à l'environnement où tu travailles, que la volonté de Dieu se fasse. Oh, Massé, que la volonté de Dieu se fasse dans la vie de tes enfants. Seigneur, la volonté de Dieu par rapport à la santé de tes enfants, par rapport à la santé de ton époux ou de ton épouse, par rapport à la santé des membres de ton église, par rapport à la santé de tes frères et de tes sœurs, par rapport à la santé de ton père spirituel ou de ta mère spirituelle, par rapport à la santé de tes finances, que la volonté de Dieu se fasse. Osaka Lababa, ce matin, nous prions pour la volonté de Dieu, sa volonté à lui. Bien-aimé, la Bible dit qu'il écrit droit sur des lignes courbes. Cela veut dire que le Seigneur écrit droit. Et pendant que toi tu regardes, tu vois des courbes. Bien-aimé dans le Seigneur, ces voies ne sont pas nos voies. Ésaïe 55 est clair. Il a dit de la même manière que les cieux sont au-dessus de la terre, mes pensées sont au-dessus des vôtres. C'est la raison pour laquelle quand tu penses grand et que tu as pensé très grand et que pour toi c'est très grand, pour Dieu, tu es toujours en bas. Alléluia. Ce matin, tu as besoin de demander la volonté du Père. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Il veut que nous puissions prospérer. Le diable, c'est un menteur. Mosatalo, Sakaladi, Amaradosia, Mondobro, c'est précamando, Robo, Sinterebre, Katarababa, Radadi, Katamasoko, Robo, Chanderebe, Katarababa, Mozanda, Masanto, Kopereke, Darito, Rokozande, Kelebe. Élève la voix et prie encore. Makateri, Amazando, Kosikerebebe, Sekelegede, Éternel, mon Dieu, mon Père, je ne me suis pas réveillé ce matin pour que l'ennemi se réjouisse sur moi, pour que l'ennemi se réjouisse sur mes enfants, pour que l'ennemi se réjouisse sur mon épouse, pour que l'ennemi se réjouisse sur mes enfants spirituels, pour que l'ennemi se réjouisse sur mon ministère, pour que l'ennemi se réjouisse sur ma vie. Seigneur, je suis réveillé ce matin par ta grâce et parce que c'est ta volonté que je sois debout. Et tu as dit dans ta parole que tu connais les projets que tu as formés sur moi, qui sont des projets de paix et non de malheur. Et toi-même, tu as dit que si le malheur doit m'arriver, cela ne viendra pas de toi. Seigneur, ce matin, je prie que ta volonté se fasse. Laisse que ce que tu as arrêté dans le ciel concernant cette semaine, ce que tu as arrêté éternel dans ton plan parfait concernant ma vie, Éternel Dieu, soit activé maintenant. J'active par la prière. Oh oui, tu as dit, vous me chercherez, vous m'invoquerez, vous partirez. Et si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Seigneur, ce matin, Makatuzi Amandele Bekatoro Sotoro Koba, Abarata Sunde Bende Ketakaba, alors que cette semaine commence, mon roi, mon père, et Yakosoko, Zwandele Bekantuli Bandelebe, toi, Éternel, qui nourrit les hommes dans le désert, toi qui fais sortir l'eau du rocher, Makazakayatoso, Opaladayandele Bekantulu, ils étaient dans le désert. Ta volonté éternelle était qu'ils passent par le désert. Et dans le désert, ils mangeaient la viande fraîche. Dans le désert, ils mangeaient le gâteau au miel. Dans le désert, ils buvaient l'eau minérale qui sort du rocher fortifié. Ce matin, oh Dieu, Masakala Douzou Kumakaba Alabale Brigada Lamazandelebe. Quel que soit le désert, et yakata baba, makatulia mazanda la baba, mon pente collègue, papiara siande, et bradadia, azikatara fazendelebe, quel que soit le désert, quel que soit la route, ayakata collègue, dandelebe, et si l'on pense que je suis à ta volonté, il est mort si ça la dit, y a mon sang de l'ébé, jusqu'à la gare de Sandaba. Mandala Bassetere de Tosaka, Mataba, 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 Mandela de Santa de Rebelle, Samadi,
Oui, Seigneur, j'ai mes ambitions, mais ta volonté à toi est la meilleure. Ma santa kaya baba, mozoto kopreketara baba, o ramande le breketorobuswande rebe kante rebe shinde rebe kebriadorobusakaya. Hallelujah. Me santa rabazwande rebe kelebe. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai son nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai son nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Nous continuons encore à prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons toujours à prier pour la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, tu as besoin de prier que le Seigneur te donne un cœur qui accepte sa volonté. Vous savez, lorsque vous faites ce genre de prière et que vous êtes, par exemple, dans des plans bizarres, dans des choses bizarres, quelquefois, quand Dieu a manifesté sa volonté, vous allez refuser. Mais tu as besoin de prier aussi, de dire, Seigneur, permets-moi d'accepter ta volonté. Alléluia. Seigneur, je veux accepter ta volonté. Fais-moi accepter ta volonté. Cela veut dire, quand tu fais cette prière, quand tu pries, Seigneur, fais-moi accepter ta volonté. La chose qui se passe, c'est quoi? C'est que Dieu va fermer toutes les portes qui vont contre sa volonté dans ta vie. C'est-à-dire que tout sera fermé et tu n'auras pas le choix que de pouvoir seulement marcher sur la voie ouverte que Dieu aura tracée. C'est comme quand tu te rends, par exemple, dans un terminal. C'est-à-dire que tu es en train de d'aller prendre ton avion parce que tu dois aller quelque part. Donc, quand tu passes par, tu prends le couloir, tu prends la voie, et il y a des espèces de longs couloirs où il y a plusieurs portes, mais toutes les portes sont fermées. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir accès à ces portes-là parce que ce ne sont pas les portes qui te mènent à ta voie. Et à partir de cet instant, tu n'as pas le choix que de marcher seulement jusqu'à la porte qui est ouverte. Et c'est par là que tu sors pour pouvoir avoir accès à ta passerelle et prendre ton vol. Bien, mais c'est une prière stratégique. C'est-à-dire que tu pries ce matin et tu dis à Dieu, Seigneur, fais-moi accepter ta volonté. Fais-moi accepter ta volonté par rapport à ma vie, par rapport à la vie de mes enfants. Fais-moi accepter ta volonté. Parce que tu peux être en train de combattre quelqu'un sans pourtant savoir que tu es en train de combattre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux être en train de critiquer quelqu'un. Tu ne sais pas ce que la personne traverse. Tu ne sais pas ce que la personne vit. Tu ne sais pas ce qui empêche la personne de pouvoir faire certaines choses à ton avantage ou bien certaines choses pour toi. Tu peux être en train de combattre ton époux, tu ne sais pas ce qu'il vit. Tu peux être en train de combattre ton épouse, tu ne sais pas ce qu'elle vit. Tu peux être en train d'avoir des mauvaises pensées envers ton pasteur, mais tu ne sais pas ce qu'il vit. Tu peux être en train de critiquer l'épouse de ton pasteur, tu ne sais pas ce que elle vit et même les types de prières qu'elle fait même pour toi, alors que c'est peut-être même à cause de toi, à cause de ta situation, que la personne se trouve dans ces situations, dans des challenges. Tu as besoin de prier ce matin et dire, Seigneur, fais-moi accepter ta volonté. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, Jésus
a dit à ses disciples, qui parmi vous peut changer, hein, qui peut changer les choses, qui parmi vous, y a personne ne peut changer. Quand c'est déjà décidé par Dieu, c'est décidé. Tu ne peux rien changer. Alléluia. Et ce matin, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi accepter ta volonté. Parce que j'ai mes ambitions. Je peux être en train de prier, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais quand ça se présente, je refuse. Ce matin, tu vas élever ta voix. Et tu vas prier au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi accepter ta volonté. Nous avons 7 minutes pour prier, pour faire ce point de prière, avant que nous ne puissions nous arrêter. Tu vas élever ta voix au nom de Jésus-Christ et tu vas prier, Seigneur, fais-moi accepter ta volonté. Fais-moi accepter ta volonté durant cette semaine, ce que toi tu as préparé. Fais-moi accepter ça. Il peut avoir des situations où je veux refuser ta volonté, mais je prie ce matin que tu me fasses accepter ta volonté en faisant ce que toi seul tu sais faire pour me permettre d'accepter ta volonté. Élève ta voix ce matin au nom de Jésus. Mosakaba, Boramama, Sokolobozia, Nelebe. Oh, Ndaraba Senterebe Katuria, Abanderebe Katorobushinderebe Kabaria, Abaradeze Kepreke Tarabazunderebe Kaparia, Mandele Brezindo Kosakalebe, Mandele Brezindo Kosakalebe, Ikalabababa Bushanderebe Katarabazunderebe Katarababa, Eternel, Mande Kerito Lobozaya, Mazinderebe Katerebe Kaya, Oh, Nderebe Kanterebelebe, Oh, Nderebe Zuanderebe Kebereke Derebe Kederebe Kederebe. Fais-moi accepter ta volonté. Fais-moi accepter ta volonté. Fais-moi accepter ton plan. Mokosi kerebre katarabusha. Rabababa, soko rabababa. Meke barandolo bose preandelebe. Mintulibi andele ke santelebelebe. Mizundiribi kataraba sontorobo shindelebe. Mentulibi ataraka deribe zande. Oh, Zakateria. Amandolo bose, azakata la baba, ashanda la baba, mozataka ya base, mozuandelebe kataba ya se, zekelebre keterebe shenderebe kabara baba, mozikatea, azanda la babe, azanda la babe. Fais-moi accepter ta volonté ce matin. Fais-moi accepter ta volonté pour cette semaine. Ce que tu as arrêté et que mon cœur, mes pensées charnelles, mes ambitions personnelles peuvent rejeter. Ce matin, je prie au Dieu. Masanto Robozaya, Abarabababa. Oui, papa, Mokozande. Si Jésus lui-même, le Seigneur, mon Seigneur, est venu faire cette prière, et qu'il a demandé que la coupe s'éloigne. Oh Saint-Esprit, qui suis-je? Ce matin, je prie que la force qu'il a reçue pour pouvoir accepter ta volonté, que la force que le Seigneur a reçue pour pouvoir accepter ta volonté, me soit accordée pour que j'accepte ta volonté. Oui, Seigneur. Monsou tapradezea, azouande le breke parada, abande le bekababa, que quelqu'un élève sa voix ce matin. Oh, bien-aimé, élève ta voix, prie. Prie, bien-aimé, dans le Seigneur, ne t'arrête pas. Prie ce matin, Mokotakaya Baba, que tu acceptes la volonté de Dieu. Si Dieu a décidé de te bénir, que tu acceptes la bénédiction du Seigneur. Si le Seigneur aussi a accepté de pouvoir te faire passer, de pouvoir te réprimander, que tu acceptes la réprimande de Dieu. Si l'Éternel a décidé de pouvoir te connecter à ton ennemi, à la personne que tu détestes sérieusement, mais que Dieu a déjà approuvé, bien-aimé, que tu acceptes parce qu'il y a une bénédiction à côté. Ce matin, nous prions de manière stratégique. Le diable ne va pas nous utiliser misérablement. Nous prions de manière stratégique parce que la Bible est claire. Dieu permet aux méchants d'amasser pour les justes. Bien-aimé dans le Seigneur, il se peut que le Seigneur a déjà tourné le cœur de ton ennemi, et que l'ennemi a déjà reçu de la part du Seigneur le commandement de pouvoir te faire du bien. Mais toi, comme tu sais que c'est un diable, tu ne peux même plus t'approcher de la personne parce que c'est un démon physique. Mais ce matin, alors que tu fais cette prière, le Seigneur enlève tout ce qui est autour et qui peut faire en sorte que tu rejettes la volonté de Dieu. Il y a des situations qui peuvent arriver dans ta vie où Dieu a décidé quelque chose, mais toi, tu es en train d'aller chercher des choses là où Dieu n'est même plus. Ça veut dire que Dieu est parti depuis, mais parce que pour toi, dans ta tête, dans tes ambitions, dans ta chair, dans tes veines, dans ton
ADN. Tu as décidé que c'est comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est claire. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de prier que nous puissions refuser. Que nous puissions refuser notre volonté à nous. Et que nous puissions accepter la volonté de Dieu. Que tout ce qui peut nous empêcher de pouvoir accepter la volonté de Dieu sois banni au nom de Jésus. Ce matin, élève ta voix. Masutekeba, makosa, makosa, makosa. Bientes kibelendelebe. Bientes muntakada. Antuluku sakibrandolobo. Bodekeza kundeke kaka. Garadosa, garadosa, garadosa. Oh, Shabalaba, Malababa, 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 Manta Balando Soprande Blegeda Briondo Supretali Brandelebe. Hallelujah, Garasata Kazuandelebe. Béni soit le nom du Seigneur. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Merci Jésus. Merci, merci Seigneur de nous faire accepter ta volonté. Je vais prier pour toi ce matin. Je vais prier pour tous mes partenaires. Je vais prier pour tous mes partenaires. Je vais prier pour tous mes partenaires ce matin. Je vais prier au nom de Jésus-Christ, le Dieu qui m'a appelé, toi qui as suscité Deuxième TV, toi qui as soutenu Éternel cette œuvre depuis que nous avons commencé. Seigneur, ce matin, je lève ma voix en faveur des partenaires, en faveur des hommes et des femmes, des couples, Seigneur Dieu de gloire, qui ont à cœur que cette chaîne demeure et que les programmes de prière de matin de gloire demeurent. Jésus, ce matin, j'amène ces hommes devant ton trône. J'amène ces femmes devant ton trône. Tu connais leur challenge. Oh Dieu, tu as dit que quiconque donnera ne fût-ce qu'un verre d'eau à un de ses petits ne manquera pas sa promesse, ne manquera pas sa bénédiction. Père de gloire, quelle que soit la situation dans laquelle l'ennemi est venu mettre tes serviteurs, tes servants, qui sont éternels, Dieu des personnes, qui ont à cœur de pouvoir soutenir, de pouvoir aider, de pouvoir prendre éternel des ressources pour permettre à ce que l'évangile avance. Je me rappelle de la parole de mon père spirituel, l'évêque d'Agouelmis. Je me rappelle des paroles qu'il a prononcées. Et ce matin, je prononce ces mêmes paroles éternelles sur chacun des partenaires, sur des hommes et les femmes qui ont à cœur de soutenir ce programme, afin que ce programme ne vive plus jamais l'humiliation. Père, je prie ce matin, au nom de Jésus-Christ éternel, parle éternel Dieu à toutes les mains étrangères que l'ennemi est venu placer dans la vie des partenaires et que ces mains soient retirées au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la situation, quelle que soit éternel, le challenge dans lequel l'ennemi est venu placer tes serviteurs qui sont les partenaires, qui soutiennent éternel par la prière, par leur substance, par leur finance, pour que la prière matinale se fasse. La Bible dit dans Marc 1 au chapitre, au verset 35, que tu te lèves tôt le matin pour aller prier avant de commencer le ministère. Le diable veut nous amener à aller au travail sans la prière. Le diable veut nous amener à aller à l'école sans la prière. Satan veut que nous puissions commencer la journée sans pourtant que nous prions. Mais nous te bénissons pour matin de gloire, parce que tu nous as permis à apprendre à nous lever tôt le matin et commencer à parler avec toi pendant au minimum une heure. Et ce matin, je prie pour ceux qui soutiennent la vision. Je prie pour leurs enfants. Je prie au nom de Jésus-Christ, le Dieu qui m'a soutenu dans toutes les nations où il m'a envoyé. Le Dieu qui a été toujours présent. Éternel, soit présent dans la vie de ces personnes. Et sur leur sueur, enlève leur sueur, qu'ils ne transpirent pas pour pouvoir éternel accomplir des choses. Au nom de Jésus, ce matin, que le corridor du cosmos soit ouvert pour eux, afin qu'ils marchent en roi et en princesse. Au nom de Jésus-Christ, éternel, combat ceux qui les combattent, menace éternel ceux qui les menacent. Au nom de Jésus, et qu'ils vivent éternel, Dieu, ton témoignage.
que ton nom soit sanctifié et que tu les sanctifies davantage. Je prie pour mes enfants spirituels, ceux qui me soutiennent dans la prière, ceux qui me soutiennent avec leur substance. Je prie au nom de Jésus-Christ. Ô Père, béni sois-tu, mets un tapis éternel, Dieu, sous le pied. Ils ne marcheront pas sur des épines et sur des aspics. Ils marcheront sur le tapis au nom de Jésus. Ainsi soit-il pour cette semaine dans laquelle tu nous introduis. Laisse que la vague de grâce éternelle soit surdébordante au nom de Jésus. Cette semaine, c'est toi qui l'as fait. Ce n'est pas un démon ou un sorcier ou des rosicriciens, des bandits spirituels qui ont fait cette semaine. C'est toi l'Éternel. Tu as dit et eut lui un soir et eut lui un matin et ce fut le premier jour. Et le septième jour, lorsque tu t'es reposé, la Bible dit encore qu'il eut un soir, eut lui un matin et ce fut le septième jour. Papa, je prie au nom de Jésus-Christ que du premier jour jusqu'au septième jour, qui constitue cette semaine soit éternel Dieu de gloire une manifestation tangible et perpétuelle de ta gloire. Apporte éternel Dieu le pain à celui qui mange et donne la semence à celui qui plante. Au nom de Jésus, je prie éternel Dieu que ta volonté s'accomplisse dans la vie de leurs ennemis. Que leurs ennemis, éternel Dieu, expérimentent ta volonté. Oh, tu as dit dans ta parole que maudit sera celui qui te maudira et béni sera celui qui te bénira. Ainsi soit-il, je prie ce matin qu'il y ait une double un double impact, Seigneur, dans la vie de ceux qui vont les bénir et un double impact dans la vie de ceux qui vont éternel les maudire. Au nom de Jésus, je déclare ces paroles ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je souhaite une excellente semaine, une excellente semaine. Je ouvre cette semaine avec les clés du sang de Jésus et je déclare au Père, alors que nous commençons cette semaine, nous la commençons dans le sang de l'agneau, sous la couverture divine et nous la commençons dans la gloire. Au nom de Jésus, nous commençons avec toi, nous cheminons avec toi et nous finissons avec toi. Sois béni, Papa, et que ton peuple éternel soit béni au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous dans tout ce que vous allez faire, que le Seigneur vous accompagne. Moi, je vous donne rendez-vous, si Jésus ne revient pas aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 5 heures du matin, pour la prière matinale, avant de commencer toutes choses. La Bible dit, cherchez premièrement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit votre partage. N'oublie pas de bénir notre programme, n'oublie pas de soutenir notre programme par rapport à la mesure de grâce que le Seigneur a mise dans ta vie. Bénis ce programme et que le Seigneur te bénisse davantage. Shalom, 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 shalom à vous tous, shalom à vous toutes et shalom à vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.